regarde où vous présentez. Il est hors de question que vous preniez une chambre d'hôtel à New York, bien sûr, mais non. Mais non, passez à Newport, bien sûr. Oui, ah, mais écoutez, n'assistez pas, j'y tiens. Je vais demander à Sophie de vous préparer une chambre. Oui. Oh, après toutes ces années, écoutez, oui. Où êtes-vous à présent? Je vous entends mal. Où êtes-vous à présent? À Ross Valley. Mais écoutez, voilà. En 10 minutes, un quart d'heure, vous y êtes. Oui, les routes ont été dégagées à présent, oui. Mais en revanche, ma communication est mauvaise, je vous entends très mal. Je dis que ma fille sera ravie... Non, pas Sophie, elle en a rien fait. Ma fille sera ravie de vous... Allô? Allô, je dis ma fille sera... Bon, ben ça a coupé. J'ai cru comprendre... Peut-être, mais je me suis renseigné. Oh, vous n'avez pas pu faire une chose pareille. Moi, je ne suis pas gêné. Je peux vous dire que des doutes planent sur sa fortune, enfin, sur la fortune de sa mère. Il semblerait qu'il soit criblé de dettes. Non, mais criblé de balles, surtout. C'est un blessé de guerre qui a eu bien du mérite. Bon, je vous en prie, il n'est resté que 3 jours en Afrique du Nord. Mais vous n'allez quand même pas le rendre coupable de l'éclat d'obus qu'il a reçu le 3e jour. Je dis que contrairement à certains soldats qui sont morts pour la liberté sans la moindre médaille, lui a acquis la sienne avec une certaine facilité. Mais vous dites cela parce que vous ne l'aimez pas. Alors là, nous sommes d'accord. Que vous importe sa situation puisque votre fille l'aime? Non, Victoria ne l'aime pas. Si elle ne s'était pas engagée comme infirmière volontaire en 41, elle n'aurait jamais croisé le regard de ce... Elle n'a fait que compatir aux faiblesses, aux souffrances de ce bel être. La commisération n'a jamais été de l'amour. Voilà, vous écoutez, on pourrait croire que votre fille ne sait pas faire la part des choses. Elle n'est quand même pas tombée amoureuse de tous les soldats qu'elle a soignés auparavant. Il faut croire qu'ils n'étaient pas tous des manipulateurs. Oh. Vous voulez que je vous dise? Lui, c'est un vicieux. Voilà, c'est un vicieux, ce fils. Monsieur, il ne s'est pas fait sauter la tête le 3e jour, tout ça pour être en phase avec le calendrier des gardes de mademoiselle Victoria. Et qu'est-ce que vous en savez? Vous n'étiez pas au front? Non. Ils n'ont pas voulu, pour raison de santé. Oui, la santé à bon dos. Ah mais non, pas dans mon cas. Scoliose aggravée. Et je me permets, alors, respectueusement, de rappeler à monsieur qu'il n'a jamais foulé un champ de bataille non plus. Et que voulez-vous que j'aille faire sur un champ de bataille? Pour la guerre? Pour y mourir? Oh. Enfin, son pierre est venu dans des bêtises. Les gens comme moi ne meurent pas en faisant la guerre. Nous avons quand même beaucoup mieux à faire de nos vies. Oh oui, alors que les gens comme moi... Oui, mais ça suffit, hein. Vous nous auriez une peine pour pas raison. Servez-moi plutôt un verre. Bourbon? Ne soyez pas vulgaire. Oh, désolé, je n'avais pas vu l'heure. Cognac? Cognac. Vous croyez que c'est facile d'être mon père? Monsieur sait que je n'ai jamais eu la chance d'être mère. Oui, c'est une chance en effet. Enfin, si on peut appeler ça une chance, oui, merci. Victoria est aujourd'hui la personne la plus importante qui me reste sur cette terre. Et je ne voudrais pas qu'elle gâche sa vie. Ben, je suis déçue. De quoi? Ben, après toutes ces années, je pensais être la personne la plus importante à vos yeux. Vous êtes une idéaliste? Oui, c'est pour cela que je suis à votre service, monsieur. Et une idéaliste spirituelle, je vous l'accorde. Merci, monsieur. Mais n'en prenez quand même pas ombrage. Dites-moi plutôt ce qui vous fait penser que mon plan est voué à l'échec. Mais sa complexité, monsieur. Mais ce n'est pas en faisant ressurgir monsieur Fougère dans la vie de mademoiselle Victoria que vous allez pouvoir mettre un terme à l'amour qui l'unit à Lucien le fils. J'ai pourtant de bons atouts.
Oh, imaginons. Éventuellement, oui. Vous arriviez à raviver la flamme de Monsieur Fougère. Qu'allez-vous faire pour que Mademoiselle Victoria se détourne de Monsieur le Fils? Ne me sous-estimez pas. Oui, bah c'est ce que disait la grenouille au bœuf avant d'éclater. On a sauté. Mais j'y vais. Oh, mais non, elle est ouvrie, enfin, non, j'y vais. Votre rupture a été douloureuse. Oh non, monsieur. Elle n'a pas été douloureuse? Si, mais vous ne pouvez pas savoir combien elle le fut. Écoutez, vous étiez jeune à l'époque, et puis de l'eau a coulé sous les ponts, hein? 3 ans. 3 ans qui vous ont forgé? 3 ans, 2 mois et 29 jours. C'était un lundi. Je m'en souviens. Nous étions sur le parvis. Nous avons décroisé nos mains. Elle a arrêté de sourire. Et m'a regardé en me disant qu'elle avait fait la connaissance d'un lieutenant qu'elle avait dû soigner et qu'elle ne m'aimait plus. Tout s'est effondré. Oui, mais depuis... J'ai essayé de la retenir, mais elle m'a tourné le dos. Et là, j'ai ressenti une grande culpabilité. Je ne pouvais pas savoir qu'il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie, vous comprenez? Je me disais que si elle me quittait, c'était forcément de ma faute. Nous savons tous les deux que ce n'était pas le cas. Mais comment vouliez-vous que je le sache? Quand on aime, je ne cessais de me remettre en cause. Je me disais que s'il y avait un problème, forcément ça ne pouvait venir que de moi. Oui, ça vous l'avez déjà dit, mais depuis, vous avez remonté la pente. Monsieur, une descente. Comment une descente? Vous êtes engagé? Dans la luxure. Une descente indécente? J'ai noyé mon chagrin en sautant sur tout ce qui bougeait. Non. Si. Pas fou. Si, mais enfin, c'était un leurre. C'est Victoria que je cherchais à travers toutes ces filles, une quête frénétique j'ai. J'ai traîné mon corps dans toutes les capitales, tous les soirs. Tous les soirs? À la hauteur de mon chagrin. Mais ça frôlait la dépression. J'ai tout fait. Ah, vous vous sentiez prisonnier? Ah non, j'ai tout fait. Les salons parisiens les plus luxueux, aux bordels les plus sordides de New York. Ah ouais, je vois, vous avez beaucoup donné de votre personne. Ah ben ça, j'ai donné, hein. J'ai donné aux grosses, aux belles, aux moches, à toutes. Mais il n'y avait jamais de belle dans le lot parce mais que... Non, votre fille m'avait abandonné. Et de toute façon, je m'en fichais de me taper des moches puisque j'étais moi-même devenu un monstre des briques. Oui, mais depuis... J'en ai fait du chemin. Hein. Je vous passe l'épisode de la chaude pisse. Oui, s'il vous plaît. Je vous raconte... Non, ça ne peut pas suivre. Non, mais je ne fais rien. C'était en décembre 41. J'avais regagné Honolulu pour le mariage de ma sœur. Je prenais du bon temps. Je venais me quitter Rita les gros lolos. Quand il y a eu cette attaque aérienne à Pearl Harbor, les Japs nous avaient sacrément canardés. Il y eut suffisamment de morts et de blessés pour que je m'en souvienne. Il ne restait plus rien. Mes parents, ma famille. En quelques minutes, j'étais devenu orphelin. Tout le monde avait sauté, même le chien. Je vois, c'était grand chiot, le grand chiot. Et là, l'illumination. La prise de conscience. Le message était clair. Je ne pourrais pas oublier votre fille dans d'autres bras. J'avais plus personne, plus rien. Et l'affaire, depuis, vous avez repris votre vie en main, quand même. Non. Je me suis mis à boire. J'avais décidé de noyer mon chagrin dans l'alcool. Ça suffit. Vous auriez dû consulter un psy, vous savez. Ah ben, j'en ai vu un. Ah, tu m'étonnes. Mais... À la 3e séance, il a préféré venir boire avec moi. Il est mort quelques temps après, d'ailleurs. Une cirrhose. Mais c'est là que j'ai arrêté de boire, hein. Et que j'ai commencé l'opium. L'opium? Quelle violence! Je restais collé à une sorte de pipe et
les gestes lents, les jambes allongées, les bras en l'air, pendant des heures à fumer ce poison. Depuis, attendez, je pense quand même que vous avez pu remonter la pente, vous avez essayé de faire quelque chose de votre vie, vous avez bougé, vous avez essayé de changer. Ah non, mais ça c'était avant. Avant quoi? Avant que je ne rentre à New York. Et sur le bateau, oui, en arrivant au port, j'ai ressenti une grande paix intérieure. L'illumination. Encore? Ah non, mais là, la vraie, j'ai rencontré Dieu. Vous avez tenté de vous suicider? Non, je suis rentré au séminaire. Vous êtes séminariste? C'est depuis bientôt 11 mois. Quel parcours, mon ami, mais quel parcours! Tous les chemins mènent à Rome. Et tout ça à cause de ma fille? Ou grâce à notre fille. Ben, si on veut, parce que le chemin fut quand même jonché d'embûches. Alors ainsi, vous vous vouez à la prêtrise? Il me reste encore 7 ans de séminaire avant l'ordination. 7 ans? Ah oui, on dirait qu'avec vous, vous pouvez changer d'idée de devenir danseur de cabaret. Qui sait, les voies du Seigneur sont impénétrables. Eh ben, ma fille. Je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais elle a beaucoup souffert de votre rupture. Comment? Comment? Bien sûr, pas comme vous, parce que vous êtes tendu pour moi. Bien sûr. Mais disons que elle a eu du mal à s'en remettre. Je crois même qu'elle regrette. Vous êtes sérieux? Vous connaissez ma réputation, je ne ris jamais. Oui, dans ce cas, pourquoi ne m'a-t-elle jamais répondu? Parce qu'elle n'a jamais eu connaissance de votre courrier. Je l'écrivais tous les jours. Je sais, mais j'avais donné pour instruction à Sophie de brûler toutes vos lettres. Attendez, vous voulez dire qu'elle n'a jamais pu lire ce que je lui avais écrit? Forcément. Mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Eh bien oui, j'ai joué mon rôle de père. Cette petite était rongée par le remords et elle se sentait coupable de ce qu'elle vous avait fait. Alors je n'ai fait que la protéger, voilà. Je comprends. Ah. J'ai toujours aimé Victoria. Ah. Mais cela n'a plus d'importance. Aujourd'hui, je suis appelé à aimer quelqu'un de bien plus grand et c'est un amour qui ne se refuse pas. Oui, bien sûr. Mais Victoria rentre demain soir. Je pense que vous allez pouvoir l'attendre d'ici là. Je ne voudrais pas abuser de votre hospitalité. Alors, mon cher Emmanuel, vous savez bien que cette maison est la vôtre. Dans ce cas, merci. Mais je ne voudrais pas être impoli, monsieur, mais la route a été longue. Ah oui, bien sûr. Après toutes ces heures de conduite, vous devez être fatigué. Bien sûr. Écoutez, le dîner sera servi à 19h. Tenue décontractée, pas de chichi entre nous. Je dois vous avouer que je n'ai plus de smoking. Eh bien, ça tombe bien. Monsieur? Sophie, la chambre de Monsieur Fougère est-elle prête? Je viens de la terminer, monsieur. Si monsieur veut bien me suivre. À tout à l'heure. J'ai toujours cru que vous aimiez Mademoiselle Victoria. Monsieur? Je sais que vous aviez des ordres, mais c'est pas très joli ce que vous avez fait. Monsieur? Je suis au courant pour les lettres. Monsieur? Les lettres que vous avez brûlées, Sophie! Vous auriez au moins pu en sauver quelques-unes. Hein? Mon Dieu! Monsieur, que dire? Il y avait pénurie de bois. Nous souffrons quand même de cette guerre. Et j'ai brûlé ce que j'ai pu. Vous êtes sérieuse? Si monsieur veut bien me suivre. Elle est sérieuse? Non, mais écoutez, suivez la nuit, je vous expliquerai. C'est à cause d'une bombe, ça y est, c'est des épelles. Suivez-la, je vous expliquerai. Allô, oui? Oui, lui-même? Oui, je prends. Ah, Victoria, ma chérie, comment vas-tu? Bien, ça fait plaisir de t'entendre. Où es-tu? Où ça? Bloqué à Montréal? Mais quand rentres-tu? Demain soir? Ah oui, d'accord. Oui. Qui? Lucien et sa mère? Mais quand? Allô, Victoria? Vite. Mademoiselle, pourriez-vous rétablir la communication, s'il vous plaît? Toutes les lignes sont occupées. Bon, d'accord, je vous remercie, je respecte. Monsieur? Ah, il est dans sa chambre! Monsieur Fougère? Mais oui, non, écoutez, à l'exception des cuisinières, nous sommes que trois dans cette maison. Arrêtez de me faire perdre mon temps! Alors oui, monsieur, il est bien installé. En revanche, il me semble de méchante humeur. Il m'en veut d'avoir brûlé des lettres. Monsieur sait pertinemment que je n'ai jamais voulu aucune lettre. Mais ne vous occupez pas de ça, c'est une histoire que j'ai été obligé d'inventer. Monsieur doit certainement avoir ses raisons, mais... Oui, j'ai de bonnes raisons.
J'ai l'espoir de voir renaître l'amour pour ce garçon, pour ma fille. Victoria est bloquée à Montréal et pour ça, j'ai toute la soirée. Vous échafaudez un plan qui est déjà voué à l'échec. Ah non, 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 pas avec ce tordu, Sophie. Parce que c'est un tordu. Il y a des tordus, mais alors lui, il est tordu de chez tordu. Il nous a tout fait. Alcoolique. Drogué. Non. Et libidineux. Oh. Pour finir, je vous le donne en mille. Monsieur. En curé. Il se destine à la prêtrise. Monsieur Fougère. Mais oui, oh là, bien sûr, monsieur Fougère, mais vous comprenez vraiment rien. Vous le faites exprès ou quoi? Mais je prends le train en marche. Non, c'est la voiture que vous prenez pour l'heure. Et vous allez chez la baronne. Chez qui? Vous avez pertinemment compris, je sais que vous savez. C'est que vous connaissez cet établissement, la baronne. Monsieur, je... Oh, arrêtez. C'est un établissement que vous connaissez, la baronne. Monsieur... Oh, mais c'est incroyable. Incroyable. Je sais, je ne vous juge pas, je sais simplement que vous connaissez des filles là-bas, des amis. Des... Mais monsieur... Oh, je... Arrêtez, donc, je les ai fait, je les ai mis encore une seule fois, monsieur. Je vous donne votre mot. Alors, je résume. Vous prenez la voiture, vous me ramenez une fille, et vous faites... D'accord? Une fille, vous voulez dire une... Ah non, justement, eh ben non, justement, pas une, pas une... Moi, je veux une dame, je veux une vraie dame, je veux une qui est le port altier d'une Michelin Trail. Je veux une élégance racée d'une Lorraine Bacall, d'accord? Mais une telle fille existerait chez la baronne? Comprenez-moi bien, je ne veux pas d'un boudin, pas de boudin. Ah. Je veux une fille. Pas de boudin. Non. Et ramenez-moi ce que vous... Ce qu'il y a de mieux sur Newport, ne lésinez pas sur la marchandise. C'est moi qui paye, hein. Alors, je connais peut-être une fille. Ah! Elle se prénomme Sonia. Sonia? C'est une Suédoise. Grande, grande. Blonde! Les yeux bleus, magnifiques. Alors, le problème, c'est qu'elle ne maîtrise pas très bien la langue. C'est pas grave, du moment qu'elle en a eu, elle s'en servirait. Mais je pense qu'elle serait dans vos cordes. Hein? Non, mais qu'est-ce que vous dites? Mais c'est pas pour moi! Ah, mais j'avais cru mais que... Mais comment pouvez-vous croire une chose pareille? Mais enfin, c'est vraiment indécent, immoral! Ce n'est pas pour moi, c'est pour le prêtre! Parce que vous voulez le... Ne vous occupez pas de ça! Ramenez-moi cette fille et ne vous occupez pas du reste! Monsieur doit certainement savoir ce qu'il fait. Oui. Pour le coup. Écoutez, pour le coup, je m'en fiche de son coup pourvu qu'elle soit bien proportionnée. Non, je parlais de la tarification. Ah! Oui! Tenez, qu'est-ce que j'ai? Bon, ben, tenez, vous prenez ça en avance et le reste le suivra. Bien, monsieur. Allez-y. Et Sophie? Oui? Surtout, de la discrétion. Monsieur, je ne vais pas aller claironner dans tout Newport, que ce soir, je vais au marché aux putes. Oh. Oui, et je suis sûr qu'il remue là que quand il est content. Oh, merci.
Je me fiche de la pilosité d'Igor comme de ma première chemise. Moi, je ne vous ai pas fait venir ici pour parler pelage. J'ai compris, vous êtes pressé. Alors, vous voulez qu'on fasse ça? Non. C'est pas pour moi que j'ai loué vos services. Ah, mais tant mieux. Je suis désolée, ça m'a échappé. Mais ne le prenez pas mal, Ève. Vous êtes pas tout à fait mon genre. Voyez la fine bouche. Non, avec vous, j'aurais été obligée de me forcer. Pas autant que moi, oui. Et oh, ne soyez pas méchant. Vous avez raison, puisque de toute façon, la question ne se pose pas. Écoutez, pour vous demander ce que je vais vous demander, il faut absolument que vous jouiez un personnage, que vous intégriez un rôle. Il est hors de question qu'on sache que vous soyez... Ah, ne le dites pas, ce mot qui vous brûle les lèvres, là. Heureusement qu'il y en a des filles comme moi, vous savez. Bien sûr. Ouais. Parce que, malgré les apparences, eh ben, on a beaucoup plus d'importance qu'il n'y paraît. Bien sûr. Ouais, parce qu'en vérité, on sauve bien plus de couples qu'on en détruit, vous le savez. Bien sûr. Mais arrêtez de dire bien sûr. Vous connaissez rien à notre métier. Moi, en 12 ans. Je peux vous dire qu'il faut avoir le cœur bien accroché, même les deux. Faut avoir la foi. Ah oui, vous êtes entré chez la baronne comme d'autres rentrent au couvent. Ben oui, voilà. Par vocation. Pas que pour déniaiser, les gars, hein. C'est que j'en ai côtoyé, moi, du beau monde. Ouais. Des avocats, des médecins, des députés, un archevêque. Ah ! Si vous avez eu un archevêque, vous allez pouvoir vous occuper d'un séminariste. Un curé ? Qui peut le plus, peut le moins. Ah non, ça je veux pas un curé. Écoutez, un séminariste n'est pas un curé. Et puis lui, le feu sacré, croyez-moi, il n'a pas où vous pensez. Enfin, ça, il a brûlé sa chandelle dans tous les bordels de la planète. Moi, j'ai simplement besoin que vous lui rallumiez sa mèche. J'ai compris. Vous voulez l'éloigner de Dieu. Oui, pour le rapprocher de ma fille, dont il était le prétendant, et dont je suis persuadé qu'il est toujours amoureux. Alors là, j'ai rien compris. Écoutez, ça n'a pas d'importance. D'habitude, quand on vous demande une passe, ouais, vous ne cherchez pas à comprendre. Mais d'habitude, c'est beaucoup moins compliqué. Eh bien, moi, je vous demande un tour de passe-passe sans état d'âme. Et je vous paie le double de ce que vous prenez d'ordinaire. Ben, ok. La morue est vendue. La morue. Oui, bon, c'est une expression. Ça veut dire que ça marche pour moi. Il faut absolument que vous jouiez un rôle si vous voulez l'attendrir. Mais oh, oui, je connais mon métier. Et en plus, cerise sur le gâteau, je prends des cours de comédie à New York. De comédie ? Et de chant. Il paraît que j'ai même un joli petit brin de voix. Mais, voilà une bonne idée. On pourrait vous faire passer pour une artiste. Un professeur de chant, voilà, qui viendrait d'arriver à New York et qui n'aurait nulle part où aller. Pourquoi ? Parce qu'orpheline. Ouais, bon, en même temps, à mon âge, c'est plutôt normal, hein. Mais, vous savez, moi, j'ai... Ouais. En fait, j'ai jamais connu mon père. Bon, on va peut-être essayer de jouer sur la corde sensible. Hein? On va faire en sorte qu'il vous prenne en affection. Me prendre en affection, oui. C'est pas une obligation. Non. Il dit que simplement que c'est un garçon qui connaît votre milieu. Comment ça, il connaît mon milieu? Il m'a déjà vu toute nue. Oh, vous pouvez dire des bêtises. Il connaît votre condition. Il faut que vous soyez crédible. Je vais le mettre dans l'ambiance en lui poussant la chansonnette. Asseyez-vous, écoutez-moi. Allez-y. Bon, et tout le tralala qui va. Et puis ton à bicyclette. Et c'est cassa, et c'est cassa, des castagnettes. On l'amène à l'hôpital. Oh, il ramène qu'il s'appelle. Et ton à bicyclette. Et c'est cassa, les castagnettes. Non, niette, castagnette. Non, c'est pas possible. Non, mais ça fait mal, lui, ça fait mal, aujourd'hui. Bon, ça va, j'ai compris. Je vais lui en donner,
moi, du pâté de chic. En 40, j'ai joué dans Le Vampire et la Vierge. Vous n'avez pas oublié le rôle de la Vierge? Pourquoi? J'ai une gueule de vampire. Bien sûr, la Vierge. C'était un rôle de composition? J'ai joué devant une salle comble. Ils ont tous sorti les mouchoirs. Ça pleurait, là, comme des arrosoirs. Va comprendre la nature humaine. Hein. Les gens, ils sont prêts à payer pour voir la misère sur scène. Mais alors, par contre, dès que vous faites l'aumône, là, il n'y a plus personne. Ce n'est pas dénué de sens que vous dites. Ouais. Mais disons que c'est vrai, je ne m'en sers pas tous les jours. De temps en temps, je travaille avec ma tête aussi. Même souvent. Hein. Monsieur? Ah, Sophie, je vous avais demandé de ne pas être dérangée. Alors, je crois la chose d'importance, monsieur. Quoi? Le prétendant de votre fille est là. Quoi? Avec sa mère. Avec sa mère? Et quelque chose me dit qu'ils ont l'intention de passer la nuit ici, car le taxi vient de repartir et ils ont deux valises. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Alors, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une surprise et que Mademoiselle Victoria était au courant. Parler d'une surprise? Ça tombe mal. Ah, ça tombe mal. Mais votre fille, elle a deux prétendants. Alors vous écoutez, s'il vous plaît, ce serait beaucoup trop loin de vous expliquer. Moi, simplement, je voulais vous rappeler que le compteur continue à tourner. Oui, mais ça tombe très mal. Très mal, monsieur. Bon, écoutez, Sophie, dites-leur de repasser, je les recevrai demain. Ah, monsieur. Quoi? Alors, vous savez que votre fille ne vous pardonnerait jamais. Mais c'est vrai que Victoria m'a téléphoné tout à l'heure et elle... Oui, elle m'a parlé de ça, mais nous avons été coupés. Bon, écoutez, je les reçois, faites-les entrer et patientez. Voilà qui est plus raisonnable. Oui, et ça tombe mal. Ça tombe mal, monsieur. Et Sophie, oui. Surtout, comme si de rien n'était, hein. Monsieur, depuis que je travaille pour vous, c'est devenu mon credo. Bon, vous arrêtez de faire le P sur la toile cirée, suivez-moi. Ah, alors je saute plus sur le curé? Non, allons. Vous restez tranquille, hein. Vous sautez sur rien du tout. On rentre en terrain miné, le moindre faux pas, il y a tout qui explose. On explose ou on n'explose pas? Non, on n'explose pas, on saute pas, ou bien pour l'instant, vous me suivez. On monte. Ah, on monte? Oui. Ça va, je connais, c'est dans mes cordes. Voilà, allez-y. Victoria de notre arrivée. Mademoiselle Victoria n'est pas encore arrivée. Je crois savoir qu'elle est bloquée à Montréal. Montréal, ce n'est pas la porte à côté. Mademoiselle a annoncé son arrivée pour demain. Espérons. Vous avez précisé l'heure de son arrivée. Non, monsieur. Ah, c'est bien que nous arrivons peut-être de façon inopportune. Alors, les communications sont mauvaises depuis ce matin, mais Mademoiselle Hamilton a eu le temps de prévenir Monsieur Hamilton de votre arrivée. Au moins, nous ne tombons pas dans le cheveu sur la soupe. Peut-être. Mais pour la première rencontre, moi, j'aurais préféré que Victoria nous présente à son père. Veux-tu que nous repassions demain? Ah, je ne sais pas. Sophie, te crottez vite. Sophie, qu'en pensez-vous? Je pense que vous avez raison, monsieur. Quel propos? Votre décision sera la bonne. C'est quoi? Vous ne voulez surtout pas vous mouiller. C'est une qualité pour une domestique de l'être toujours sec. Et ce n'est pas ce soir que tu vas faire ta demande. Alors non, ça ne vaut mieux pas. Ah, vous savez, il est de méchante humeur. Monsieur, je dis simplement que vous devriez faire la connaissance de monsieur et qu'ensuite vous pourriez éventuellement vous présenter comme son futur gendre. Éventuel futur, y aurait-il d'autres prétendants? Pas encore. Pardon. Alors pas à ma connaissance, je veux dire. Je te l'avais dit, vos fiançailles n'ont que trop tardé. Il y a bien longtemps que tu aurais dû venir ici pour faire ta demande. Oh, je sais que vous auriez aimé que je le fisse un peu plus tôt. Mais crotte de bique! Attendez, je sais, vous vouliez être certain de vos sentiments avant de vous engager, je comprends. Évidemment, vous avez un avantage sur mon futur beau-père. Vous avez déjà rencontré Victoria. Puis-je vous proposer un rafraîchissement? Non, je vous remercie. Monsieur? Rien, merci. Monsieur Hamilton ne devrait pas tarder. Qu'est-ce qu'elle fiche à Montréal?
Merde! Lucien, calme-toi. Oh, ne pique pas, docteur B! Peut-être que je dois me contenir en disant côte de bique. Lucien, moins fort, mon chéri. Oh, ne commencez pas. Vous commencez à me courir. Vous commencez tout, ça me courir. Elle devrait être là, vous comprenez? Qu'est-ce qu'elle fiche avec ses bouffeurs de pancakes? Je vais te l'étouffer dans le score d'érable, moi, tu vas voir. Calme-toi. Je ne suis pas vous entendez? Arrêtez de mater votre titi, d'infantilisant. Ce n'est pas le moment de faire une crise. Tiens, prends ton cachet. Quelle salope! Je suis sûr qu'elle me cache quelque chose. Elle sait très bien que j'ai horreur de la savoir le de moi. Ça va aller. Non, ça ne va pas! Peut-être pas le courage de me présenter à son père. Mais puisque c'est elle qui t'a dit de venir. Peut-être changer d'avis, peut-être débile. Ouais. De me retrouver en face de son père sans savoir quoi lui dire. Mais tout ira bien. Tu n'es pas homme à se laisser facilement intimider. Oui. Mais je stresse, bordel! Et quand je stresse, j'ai des aigrures d'estomac. J'espère qu'ils vont nous faire bouffer des patates. Il n'y a que ça qui me calme. Victoria me fait souvent des gratins dauphinois. J'adore le gratin dauphinois. Maman t'en fera un. Le vôtre est dégueulasse. D'ailleurs, depuis que nous n'avons plus de cuisinière, je n'aime pas ce que vous faites. Ah, ah, c'est la tête qui va exploser. Maman, tu sais pas ce que tu fais. Il faut apprendre à te contrôler. C'est ce morceau de cul qui te fait réagir comme ça. Les docteurs vous l'ont dit. Les crises seront de plus en plus fréquentes. Mais ne vous inquiétez pas, mère. Ça fait des mois que j'apprends à me contrôler. Je le sais. C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas ton attitude. Ce n'est ni le lieu ni le moment de te laisser aller. Je suis un malade mental. Non. J'ai un QI supérieur à la moyenne, vous le savez bien. Mais à force de me contenir, moi, j'ai besoin de lâcher la soupape. Tu n'es pas seulement un malade, tu es un génie. Un génie malade? Mon fils. Notre situation repose uniquement sur tes épaules. Depuis que vous me le répétez. Seul ce mariage nous permettra de sortir la tête de l'eau et d'éponger nos dettes. Oh, vous me fatiguez. Je vous ai dit que je l'épouserai. Ensuite, la tuerai. Ce n'est peut-être pas nécessaire. Montrez-vous bien ça dans le crâne, crotte de bique de crotte de bique. Que je ne vais pas gâcher ma vie à faire semblant d'aimer une fille à papa. Je ne l'ai jamais aimé, ni même estimé, pour que notre but soit rapidement atteint. Après, je veux la voir souffrir, avant de la découper en morceaux. Tu ne préférerais pas l'empoisonner? Non, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne savez pas. Vous n'y étiez pas. Un vacarme assourdissant. Des tirs, des bombes. Tous ces coups. En une fraction de seconde, vous avez l'impression que tout se dérobe sous vos pieds. Vous tombez, vous tremblez, pas de répit. C'est une panique générale. Et ce petit capitaine qui ne cesse de crier et d'haranguer. Comme si les tirs ne suffisaient pas, il nous menace. Il faut avancer! Alors, sans aucune raison, vous obéissez. Une charge héroïque. 100 héros. Mais pas le temps de me redresser, qu'un obus éclate. J'ai la pression de partir en 1000 morceaux. Ça siffle dans ma tête. Je retombe aussitôt. Je reviens à moi dans la nuit, je suis dans une sorte d'ambulance avec Roger. La route est épouvantable. Nous roulons une bonne partie de la nuit jusqu'à l'hôpital de Casablanca. Il est bondé. Nous sommes les uns sur les autres. Certains blessés gisent à même le sol. Les infirmières sont obligées de les entraîner. Ça gesticule dans tous les sens. Des heures durant, nous attendons. Personne ne vient. J'ai beau demander de l'aide. Personne ne vient. Personne. Roger succombe de ses blessures. Il meurt dans mes bras. Je pourrais tout aussi bien crever. Alors, je la vois avancer vers moi. Un ange blanc. C'est ma chance. Que je ne sois déjà mort. Je lui saisis le bras, là elle me retire la main en me disant qu'elle n'a pas de temps à perdre avec moi et qu'elle est très pressée à soigner un gradé. Je l'ai vu s'éloigner rapidement. Je
jour-là, elle ne savait pas qui j'étais. Trop de sang sur le visage. Alors, je me suis juré de vivre. Vivre pour lui faire payer. Je sais bien tout cela. J'ai conscience du calvaire que tu as enduré. Mais elle a pris bien soin de toi quand même, non? Après, je l'ai apprivoisée. Il a fallu que j'use de tous mes charmes. Et tu as très bien réussi. Elle aurait pu devenir une bonne brune. Peut-être. Mais je préfère qu'elle devienne de la viande crue. Oh, fichez-moi la paix! Je vais même pousser le lit sans faire des boulettes. Tant que vous le sachiez, mère. Les boulettes que je ferai manger aux invités le jour de son enterrement. Quelle horreur! Tu as bien fait de me prévenir. Je ferai préparer un saumon en gelée. En attendant, faisons comme si de rien n'était. Monsieur Hamilton! Vous voudrez bien excuser mon retard et friser l'abondance. Oh, il ne faisait que la friser! Mère, permettez-moi de vous présenter Monsieur Hamilton, le père de. Ma chérie. Ah, de Victoria. Oui, mes hommages, madame. Soyez la bienvenue dans cette maison. Monsieur, je suis heureuse de vous rencontrer. Vous connaissez mon fils, Lucien? De réputation seulement. Ma fille m'a tellement parlé de vous. Monsieur, je suis simplement désolé qu'elle ne soit pas encore arrivée. Nous devions nous retrouver ici à 18h. En tout cas, c'est ce qui était prévu. Oui, oui. Sophie a dû vous prévenir que Victoria était coincée à Montréal. Oui, nous venons de l'apprendre. Nous sommes même assez gênés de débarquer comme ça chez vous avant son arrivée. Non, mais il ne faut pas. Nous allons tourner ça à notre avantage. Sans ma fille, pour nous surveiller, nous allons faire connaissance sans sondage. Non, c'est bien aimable à vous, monsieur. Venez, madame. J'ai pris la liberté de faire préparer deux chambres, monsieur. C'est une liberté, en effet. À vous dire vrai, nous n'avions pas l'intention de passer la nuit ici. Ah, et où comptiez-vous la passer? À l'hôtel. Ou peut-être y a-t-il une pension de famille? Mais certainement, Sophie va trouver quelque chose de très confortable. Dois-je rappeler à monsieur que nous sommes en pleine foire agricole? Je ne vois pas le rapport. Vous ne trouverez pas une seule chambre libre à la ronde. Vous semblez bien sûr de vous, ma fille. Monsieur voudrait peut-être que je loge le prétendant de sa fille et sa mère chez la baronne. Non, bien sûr que non. Non, et il vaut mieux que vous restiez ici. Je vais faire préparer les chambres. C'est ça, faites ça. Dois-je demander à Margaret d'ajouter de couverts pour le dîner? Après le gîte, ça s'imposait. Oh, nous ne voudrions pas abuser. J'espère que vous n'êtes pas allergique aux plaques aussi. Pardon. Le samedi, j'ai pour habitude de manger indien. J'ai un extra qui nous fait de magnifiques plats typiques. Oh, j'adore la cuisine indienne. Ah, ce soir, Sam nous a préparé des mashli kofta. Mashli kofta, ce sont des boulettes de merlan accompagnées de pommes de terre écrasées, de piment, d'ail et de coriandre. Elles se dégustent avec des crevettes frites poudrées de sel et de curcuma. Ça a l'air délicieux. J'adore les boulettes. Surtout celle au poisson. Eh bien, Sophie, faites le nécessaire. Le dîner sera servi à 19h, ne changeons aux habitudes. Bien, monsieur. Vous allez voir, ce Sam est extraordinaire. Un véritable cordon bleu. Son curry d'agneau est à tomber par terre. J'ai goûté pour la première fois un agneau korma dans un petit restaurant indien de Philadelphie durant de nos multiples repas de famille. Vous en souvenez-vous, mère? Je ne suis pas encore sénile. Le restaurant s'appelait... Oh, le Pondichéry. Le Pondichéry, c'est cela. J'y prenais souvent de l'agneau barras, le plus piquant, qui t'a me brûlé la bouche. Enfin, comme mon père. Et un jour, j'ai changé pour de l'agneau korma. Avec son petit riz, son cache-péri aux fruits secs et aux épices. Et là, ce fut la révélation. Ah ben, c'est la journée des révélations, sans doute. Mais dites-moi, vous semblez bien vous y connaître en cuisine indienne. Oh, vous avouerai-je que c'est mon péché mignon. Mais pas seulement pour la cuisine. Lucien a une passion pour tout ce qui touche à l'Inde. Vous l'ignorez peut-être, mais c'est un érudit. Il est géographe. Hein? Je me passionne pour nombre de cultures humaines. Mais je porte l'Inde ancienne en affection. Je m'y suis rendu il y a 6 ans, notamment à Bombay. Ah, Bombay. D'ailleurs, j'ai une magnifique photo du mausolée d'Akbar dans mon bureau. Magnifique mausolée, qui illustre bien le syncrétisme religieux de l'époque. Non? Le syncrétisme? Oui, bien sûr, le syncrétisme. Je parlais bien sûr du système philosophique qui tend à faire fusionner plusieurs doctrines différentes. Et non de la personnalité globale et confuse caractérisant l'activité psychologique du jeune enfant. Évidemment, évidemment. Il est tellement facile de se tromper. Ah oui, mais là, comme il explique, on comprend tout, hein. Il faut dire quand même qu'Henri Vallon reste quand même un précurseur. Un précurseur, vous l'avez dit. Et vous avez lu Vallon? Enfin, mère, comment pouvez-vous poser une question pareille? Vallon, un classique. Bah, pour l'heure, surtout, un novateur. Oui,
et qui deviendra bientôt un classique. Dans quelques années. Lorsqu'on acceptera une bonne fois pour toutes que s'intègre dans la personnalité d'un jeune enfant les deux points de vue, de façon alternative, sans tripette et sans trifuge. Et vous, monsieur Hamilton, qu'en pensez-vous? C'est difficile d'avoir un avis tranché. Parce que généralement, quand le centripète, il y a forcément centrifuge. Mais, je ne suis pas expert, mais des fois, je pense que le centripète, il bouge. Quand il bouge sans dent, enfin, il bouge pas le centripète. Vous avez raison. Ah, j'ai raison. C'est surtout un problème d'interprétation. Oui, oui. Et comme le disait le professeur Vermeil, expert en la matière, alors, j'en conviendrai. Alors écoutez, si Vermeil n'est pas expert en la matière, on se demande qui peut l'être. Hein? Nous sommes d'accord. Vermeil disait, l'interprétation ne fait que proposer des cadres de compréhension que l'on appelle des hypothèses. Quelqu'un prendra une aspirine, on va jeter un verre. Non, merci, votre gouvernante, de vous avez devancé. Une perle rare que vous avez là. Oui, je n'en suis pas mécontent. Elle est honnête, mais ennuyeuse. Ennuyeuse? Oui, elle a souvent raison. Monsieur Hamilton, je... Oh, désolé. Emmanuel? Je vous dérange? Je vous dérange? Non, non, bien sûr que non. Je vous présente Emmanuel, un ami de la famille. Essentiellement de Victoria. Vous connaissez Victoria depuis longtemps? Oui. Oui, ils ont quasiment grandi ensemble. Ne seriez-vous pas le fameux Emmanuel Cactus? Fougère, Emmanuel Fougère. Oui, bien sûr. Son ancien prétendant. Voilà, ancien. Car monsieur Fougère est aujourd'hui séminariste. N'est-ce pas que vous êtes séminariste? Oui. Voilà. Et bientôt prêtre. Enfin. Si, si, ah si, vous êtes bientôt prêtre. Prêtre. Oh, c'est une vocation exigeante. Il me reste encore de nombreuses années de théologie. Justement, nous étions en train de parler de syncrétisme. Voilà, changeons de sujet, le syncrétisme. Ça me dit quelque chose à vous, le syncrétisme? Le système philosophique, qui tend à faire fusionner plusieurs doctrines différentes. Les noms de la personne là. L'idée globale et confuse, car est existant l'activité psychologique du jeune enfant, hein? Nous ne sommes plus à l'âge de la préhistoire, on ne peut quand même pas confondre Ernest Renan et Henri Vallon. Tant comparer la théorie de la relativité à la théorie de l'évolution. Lénine à Karl Marx. Albert Einstein à Frankenstein. Oh, vous êtes drôle, vous cachez bien votre jeu. Rarement, mais quand je décide de l'être, rien m'arrête. J'ai de l'humour. Eh bien, celle-ci devrait donc vous plaire. X au carré se balade dans la forêt. Quand il en ressort, il n'est plus qu'un simple X. Pourquoi? Certainement parce qu'il avait trébuché sur une racine. Racine. Je comprends pas. Racine carrée. Ah oui, bien sûr, c'est drôle. Je me suis dit, j'étais ailleurs. Racine carrée. Oui, il est drôle. Il est drôle. Il est drôle. J'en ai une autre. Alors, c'est ça que vous allez faire pour rien de dire. C'est l'histoire. Ah, qu'il est drôle, mais qu'il est drôle quand on avance. Enfin, il faudrait déjà le laisser commencer. Oui, mais vous allez voir ce que j'ai dit. Ça va être drôle. C'est l'histoire d'un jeune étudiant qui veut rentrer assassin. Quelle est votre principale qualité, demande-t-on. Je suis très rapide en calcul. L'examinateur lui demande alors combien font 23 que multiplie 547. Et l'étudiant répond du tac au tac, 56. Mais c'est faux, rétorque l'examinateur. Peut-être, dit l'étudiant. Mais c'est rapide. Monsieur, je vous l'avais dit, il est drôle. C'est un don, j'ai dit, il y a des gens qui sont très, lui, il est drôle. Il est drôle, mon Dieu, qu'il est drôle. 56 au lieu de 12 580. Oui, mais c'est drôle. Non, vous, c'est pas la peine. Monsieur Levy est drôle, d'accord? Lui, il est drôle, c'est pas la peine de vous mesurer à lui, vous ne ferez pas le point. D'accord, voilà, c'est, on vous dit qu'il est drôle. Lui, il est drôle. Ça veut dire que vous n'êtes pas drôle. Ça suffit maintenant. Oui, nous ne sommes pas en compétition. Enfin, plus. Pour nous aider? Mais non! Ah si. Je suis Lucien Lefis, le fiancé de Victoria. Vous êtes le lieutenant? Oui. Mon fils reste un grand blessé de guerre. Il a presque donné sa vie pour la patrie. Et vous-même? J'ai été réformé, madame. Problème de cœur. Cardiaque? Chagrin. Chagrin d'amour. Je vois. Oh non, madame.
Je ne pense pas que vous puissiez imaginer ce que j'ai dû endurer à cause de ce chagrin. Vous l'écoutez, ça n'intéresse personne, et puis ça serait beaucoup trop. Hein? Bon, pour l'heure, on va simplement retenir que vous serez bientôt prêtre. Le reste... Le reste, monsieur Hamilton, n'est qu'un concours de circonstances. Des choix ont pourtant été faits. Victoria n'avait peut-être pas toutes les cartes en main. Si Sophie n'avait pas reçu pour instruction de brûler toutes mes lettres... Vous avez donné de Paris l'instruction? Comment? Pourquoi vous faites brûler les lettres de monsieur? Les lettres de monsieur? Oui, les lettres de monsieur. Je n'ai rien reçu. Les lettres pour Victoria, vous ne les lui avez jamais données. Parce que je les ai gardées pour ma collection de timbres. Oh, vous mentez, il ment. Vous les avez brûlées. Eh bien oui, la voilà, je les ai brûlées. Pour sauver ma fille qui était dans un profond désarroi. Ah, mais entre-temps, elle vous a rencontré. Ah! Écoutez, monsieur, s'il vous plaît, le hasard a voulu que vous vous rencontriez. Nous n'allons quand même pas remuer le passé. Ce n'est pas ce que j'ai cru comprendre. Eh bien, c'est que vous avez mal compris. À vous entendre, les lettres brûlées n'étaient-elles pas un point capital de notre rupture? Oh, je vous en prie, monsieur, ce ne sont quand même pas vos lettres qui ont plongé Victoria dans mes bras. Monsieur, sachez que si elle avait eu mes lettres, Victoria serait encore dans les miens. À moins que vous n'écriviez comme Paul-Éloire, vous vous donnez bien de l'importance, monsieur. Mais je n'ai pas besoin de modèle, monsieur. Une lettre d'amour est toujours le reflet de sentiments éprouvés. Crotte de vite. Vous n'allez tout de même pas comparer votre correspondance à celle d'Henri IV et de Gabriel d'Estrée. Ou celle d'Eugène Sue à la princesse de Solms. Elle parlait largement celle de Benjamin Constant à Madame Récamier. Ça y est, c'est reparti. Mais vous entendez? Non, moi je ne sais pas écrire, j'ai jamais écrit de lettre d'amour. Eh bien, c'est bien triste. Victoria, votre silence est par trop assourdissant. Je vous en prie. Ne me replongez pas par vos preuves d'indifférence dans cette angoisse de l'attente, car 6 mois d'attente m'ont fait perdre la raison. Il suffirait de si peu de choses, une lettre de vous, pour apaiser ma souffrance. Il semblerait que je n'ai pas trouvé les bons mots pour exprimer mon affection pour vous. Une affection unique, qui va bien plus loin que de l'amour. Vous êtes la déesse bienveillante de mon âme égarée. Quand vous fermez vos bras, j'ai le ciel entier qui me repousse, et c'est l'enfer qui m'appelle. Il ne tient qu'à vous de me prendre en pitié et de me sauver. Je suis agité, mais résigné. Et je sais que sans vous, la folie sera là. Et la mort sûrement, pour me délivrer de cette folie. C'est vous qui avez écrit ça? À quelques mots près. C'est la dernière lettre que j'ai écrite pour Victoria. Et c'est d'ailleurs la seule que j'ai gardée en mémoire, en même temps que tous mes poèmes. Faiseur de verre par-dessus le marché. Ah ça, les verres, ça me connaît. Après notre rupture, j'ai sombré dans l'alcool. Oui, écoutez, ça m'intéresse. S'il vous plaît. Je dirais simplement que vous avez du talent, si tous vos poèmes sont du même acabit. N'en doutez pas. Dans ce cas, il faut absolument que je vous présente à Robert de Noël. De Noël, l'éditeur? Lui-même, c'est un ami de la famille. Vous voulez éditer mes poèmes? Ben, bien sûr. Mais vous n'y pensez pas. C'est une chose bien trop personnelle. Je les écris pour votre fille. Mais c'est sans souci. Écoutez, de Noël ne peut rien me refuser. Choisissez un jour dans la semaine et je peux vous avoir un rendez-vous. Ce que vous me demandez là est indécent. Dévoiler ses sentiments intimes peut être gênant. Pour vivre heureux, vivons cachés. Je suis tout à fait d'accord. C'est une drôle de proposition. Réfléchissez-y tout de même. Il n'y a pas à réfléchir. Prévoyez un rendez-vous lundi prochain. Ouais. Que monsieur veuille bien pardonner. Sophie? Tout est prêt. J'ai fait porter les valises de monsieur et madame dans leurs chambres respectives. Parfait. Dans ce cas, accompagnez monsieur et madame le fils. Dans leur chambre, nous nous retrouvons à 19h, si vous voulez bien, autour d'un magnifique repas indien. Oh, j'ai hâte de goûter aux fameuses machines. Il semblerait que Sam se soit surpassé ce soir. Monsieur, serez-vous des nôtres? Oui. J'ai hâte de poursuivre cette conversation avec vous. Ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre des érudits. Flatté, monsieur, j'ai un peu d'instruction, voilà tout. Cela n'était pas de moi un érudit. Pour parler de ballon et du syncrétisme, il faut plus que quelques bagages. Aujourd'hui, c'est un minimum. Tout de même! Attendez, il faut être quand même rompu à ce genre de théorie! Vous n'allez pas lui donner raison! Tout de même! Le syncrétisme, c'est à la portée d'un enfant, convenez-en! D'un adolescent, je vous l'accorde! Tout de même! Que l'on ait des lacunes sur la théorie de pensée de Schrödinger, je ne dis pas! De pique de crotte de mique! C'est pourtant la vulgarisation! Ah non, ça a été vulgarisé! C'est pas la même chose! Ah, je vous en prie! Comment peut-on imaginer un seul instant que les chats sont encore vivants dans cette boîte? C'est là tout le principe de cette théorie! Monsieur Hamilton! Quoi? N'êtes-vous pas d'accord? Hein? De quoi? Mais le chat, bien que mort, peut-il être vivant?
d'être vivant peut-il être mort dans une boîte en plus. Tu sais, quand vous faites rentrer un chat, bon, ça va, mais un chat vivant, c'est difficile. Admettons qu'il soit mort, le chat. Donc le chat est dans la boîte, parce que à moins qu'on l'ait mis vivant et qu'il soit mort dans la boîte, dans sa fiction. Et admettons, le chat est dans la boîte, vivant, il est mort à la fois. C'est pas évident ce que vous dites, hein, parce que c'est rare d'avoir un chat qui est à la fois vivant et mort. Hein, parce que c'est quand même incroyable, ça. Ce sont pas des choses qu'on voit tous les jours, être vivant et mort. Écoutez-moi, vous me prenez de... Voilà. Vous devez quand même avoir une opinion. Et non, j'ai ouvert la boîte, j'ai les poils, je suis allergique au chat. Décidément, vous êtes impayable. Hein. Allergique aux poils de chat. On se demande où vous allez chercher tout ça. Dans la boîte. Hé, dites-moi, ça vous dit quelque chose à vous, le syncrétisme? Monsieur parle-t-il du système philosophique qui tend à faire fusionner plusieurs doctrines différentes ou de la perception globale et confuse caractérisant l'activité psychologique du jeune enfant? Merci, Sophie. Monsieur? Grâce à vous, je suis à présent un ignorant. Bon, écoutez, accompagnez Pierre et Marie Curie dans leur chambre et vous, filez en cuisine à stiquer la chantier sans faire les pieds. Non, monsieur, si vous voulez bien me suivre... Vous avez vu qu'à la naissance, faire étalage comme ça de sa culture à tout rompre? Ah bah, moi j'étais mal pour vous. Il ne fallait pas. Comme vous avez pu le constater, j'ai su me défendre. Ah ça? Ça vous lui avez cloué le bec. Bah tiens. C'est imbécile, là. En plus, il n'arrête pas de crier crotte de bite, de crotte de bite. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est ça? C'est exactement ça, crotte de bite, de crotte de bite. Il lui dit ça à tout va. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de dire ça? C'est indécent. Ça doit être quelqu'un qui se contient. On voit bien qu'il se retient, il doit avoir des tics. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis sûr qu'il cache quelque chose. Ouais. Mais il n'est pas le seul, semble-t-il. Comment avez-vous pu m'inviter, sachant qu'il serait aussi sous votre toit? Enfin, mais comment pouvez-vous croire une chose pareille? J'ignorais tout. Je ne savais pas, enfin. Victoria me dit que c'était une surprise. Vous parlez d'une surprise? Tout ça ne me regarde plus. J'ai définitivement décidé de tourner la page. Envoie-moi en abattu. Mais ça, on en reparlera. Ah, nous ne reparlerons de rien du tout. Je repars sur l'heure. Non, écoutez, vous ne pouvez pas faire ça. Occupez-vous plutôt de votre futur beau-fils. Je n'ai plus rien à faire dans la vie de Victoria. Et les poèmes? C'était pour faire rager l'autre imbécile. J'ai péché par orgueil. Vous pourrez partir une fois que vous aurez goûté à mes machikofta. Oh, machikofta, ce sont des boulettes. Non, je suis végétarien. Non, mais ce sont des boulettes de merlan. Bon, laissez-moi passer, je n'ai pas faim. Non, vous ne pouvez pas partir. Mais je vais me gêner. Non, mais j'ai besoin de vous. Pourquoi faire? Une âme à sauver. Je ne suis pas encore prêtre. Oui, mais elle est prête. À quoi? À faire une bêtise. Vous dites elle, mais de qui s'agit-il? Il s'agit d'une femme, d'une jeune femme. J'ai besoin que vous l'écoutiez, puis vous pourrez partir si vous voulez après. Elle est ici? Je vais vous la chercher. Et que voulez-vous que je lui dise? Ce que vous voulez. J'ai surtout besoin que vous l'écoutiez. Se montrer charitable, ça devrait être dans vos cordes. Évidemment. C'est bon, amenez-la-moi. Ça va, je savais que je pouvais compter sur vous. Ah, je dois prévenir le séminaire de mon arrivée. Je peux utiliser votre téléphone? Il est d'accord. Allô, ma sœur. Oui, bonsoir. Emmanuel Fougère à l'appareil. Puis-je parler au révérend père Vermont, je vous prie? Oui, je patiente. Allô, mon père. Emmanuel à l'appareil. Je suis désolé de vous prévenir à une heure aussi tardive. Non, ça va, je vous remercie, tout va bien. Non, je ne suis plus sur la route, je suis chez un ami. Enfin, chez une connaissance. Voulez-vous, comme il était prévu, que je passe à l'abbaye Sainte-Delphine de Sabran? Oui, bien sûr. Mais dans ce cas, je laisserai ma voiture et je prendrai le camion de l'abbaye. Une cargaison de 4 caisses. Il n'y a pas de problème, mon père. Ah si, mon père, pour décharger, prévoyez un diable. Un diable, mon père. Un diable, le chariot, quoi. Vous aviez compris? Oui, c'était très très drôle, mon père. Effectivement. Mais, en ce cas, je vous dis à demain, alors. Au revoir, mon père, à demain. Vous avez terminé? Oui. Ah, dans ce cas, laissez-moi vous présenter Mademoiselle Delgado. Bonjour.
Je suis mademoiselle Delgado. Oui, ça marche, je viens de dire. Mademoiselle, laissez-moi vous présenter Emmanuel Fougère, qui est un ami de la famille. Vous êtes un ami de la famille? Oui, mais puisque je viens de dire, enfin... Emmanuel est séminariste et il va pouvoir vous soulager. Non, surtout moi qui vais le soulager. Oh, si le cigare, le bio, le cigare, non, c'est une âme perturbée, hein, c'est une âme, vous êtes une âme perturbée. Oui, je suis une âme toute perturbée, ouais. J'ai des perturbations de partout. En tout cas, vous n'êtes pas d'ici. Non, de Nice, en France, vous connaissez. J'y ai séjourné un moment, mais ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés? Ah non, c'est impossible. Pourtant, votre voix me dit quelque chose. Delgado, avez-vous dit? Pépita! Pépita la niçoise? C'est moi! Oh non, ils se connaissent! Mais tu es... De passage. Non, je veux dire, tu es toujours... Eh ben ici, à 10 dollars de l'heure. Effectivement, maintenant que tu me le dis, il me semble reconnaître ta poitrine. Tu l'as goûté à ma poitrine, hein? Et même au petit salé. La maison Lavoisier. En France, à Nice. Tu sais, j'en ai tellement fait. Oh, mais en face du kiosque à musique. Oh, Pépita. Pépitance. Vous avez vu? Quoi? Vous avez quand même bien fait de me choisir. Oui, parce que la Suédoise, de toute façon, elle n'aurait rien eu à lui dire. Elle est fade. C'est pas de sa faute, plus chère. Elle est fade. Monsieur Hamilton, je pense que vous me devez quelques explications. Alors écoutez, mon petit Emmanuel, oui, mais je pourrais en effet vous dire ce que j'avais dans la tête. Mais cela nous ferait perdre énormément de temps à tous les deux. Et comme je dois changer mon fusil d'épaule, je préfère que vous quittiez cette maison. L'esprit sera. Comment? Mais n'insistez pas, je vois bien que ce n'est pas vous qui me donnerez des petits princes et des petites princesses, et moi j'ai besoin d'être grand-père. Quoi? Oui, dites-vous simplement qu'il s'agissait d'un test de tentation que vous avez réussi avec brio. Bravo! Oh, ça va. Un test? Oui, un test, vous êtes fait pour le séminaire. Alors oubliez ma fille, oubliez madame, oubliez... Mademoiselle! Oui, mais faut le dire vite, hein. Oubliez mademoiselle, oubliez même jusqu'à cette soirée, et surtout, faites comme si de rien n'était. Monsieur? Accompagnez Monsieur Fougère et faites suivre ses effets. Monsieur nous quitte? Pour le salut de mon âme, semble-t-il. Oui, et priez pour nous pauvres pécheurs. Amen! Je vais forcer. À moins d'un miracle. Dommage, parce que voyez, avec lui, je ne serai pas forcée. À 100 jeunes mots, vous pouvez faire une croix sur le curé. Hein. Bon, mais vous croyez que je vais vous servir à quelque chose? Oui, à mon futur beau-fils. À votre gendre? Oui, j'ai besoin que vous lui mettiez le grappin dessus pour qu'à son retour, ma fille vous surprenne dans ses bras, ou plutôt dans son lit. Là, j'ai rien compris. Faites ce que... Ne cherchez pas à comprendre et faites ce que je vous dis, d'accord? D'accord. Quand vous allez retrouver mon beau-fils, bien sûr, arrêtez de mon beau-fils, vous lui faites du charme et vous lui mettez le grappin dessus, d'accord? Qu'est-ce que je dois lui faire exactement? Ce que vous voulez. Bon. Ce que vous voulez. D'accord? Ok, d'accord. Et je compte sur vous. Oui, oui, tout à fait, je vous connais pas. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui, mais... Enfin, en vérité... Quoi? Je crois qu'il va falloir que ça vous coûte un peu plus cher, parce que vous allez passer du temps en explication, parce que j'ai rien compris. J'en étais sûr. Dis-moi, le syncrétisme, ça vous dit quelque chose à vous? Le quoi? Le syncrétisme. Ah, le syncrétisme! C'est pas une maladie de la poitrine. Non! Vous inventez! Vous savez pas ce que c'est! J'ai trouvé pire que moi, vous êtes impayable! Une maladie de la poitrine! Ça, c'est sûr que tu vas me payer! Je sens mal celui-là.
Monsieur Hamilton, monsieur Hamilton. Pardon, je vous prie de m'excuser. Je vous en prie. Vous attendez monsieur Hamilton? Non, j'attends le... Vous êtes... Vous êtes le gendre? Non, le fils. Vous êtes le fils? Lucien le fils, en effet. Je ne savais pas qu'Hamilton vous l'avait. Mon Dieu, je vous avais pris pour le gendre. J'allais faire une sacrée boulette. Monsieur Kofta? De quoi? Non, rien, laissez tomber. Mais qui êtes-vous? Pépita. Pépita? Eh oui, comme ça se prononce. P-I-P-E... P-E-P-I... Oui, c'est bon, j'ai compris. Vous disiez à propos d'Hamilton? De votre père? De mon père. Vous m'avez bien dit que vous étiez le fils. Oui, bien sûr, oui. Eh bien, il est drôle, votre père. Il a le sens de l'humour. Ouais. Si on veut, il veut me payer pour que votre sœur me surprenne dans les bras de son gendre. Qu'est-ce que vous racontez? Je vais taper des coups de vite. Vous êtes une prostituée? Une fille de joie. Et enfin, mon père vous paie? Oui, pour que votre sœur... Vous voulez dire Victoria? Ça, je sais pas, je la connais pas, moi, il m'a dit sa fille. Donc, pour que ma sœur vous surprenne par les bras de son gendre, vous en êtes certaine? Alors, je crois qu'il m'a dit dans les bras de son futur gendre. Bon. Alors écoute-moi bien, Koufias! Parce que je ne le répéterai qu'une seule fois. Tu vas prendre tes clics et tes claques et te donner un grand coup de pied au cul pour gicler de la rapido! Sinon, il va falloir plus de 10 ans au type de la mort pour te reconstituer. T'as compris, connasse? Vous plaisantez, là! Il reste 20 secondes avant que je transforme ta gueule en mosaïque. Alors, pépito! On a du chocolat qui commence à fondre et les fesses qui font pas bon! Ça va, je m'en vais! Et en plus, de toute façon, ça m'arrange. Comme ça, je serai pas en retard à mon audition pour Casablanca. Casablanca? Oui, j'auditionne pour une pièce... le remake de Curtis. Une pièce de théâtre. Vous voulez dire Casablanca avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman? Vous connaissez? Oh, je le connais par cœur, c'est mon film préféré. C'est triste comme une petite pluie fine qui tomberait sur une lettre d'adieu. Eh bien, moi, j'auditionne pour le rôle d'Ingrid Bergman. Ah, d'une version pornographique? Non, c'est une pièce à petit budget. Le monde s'effondre et nous tombons. Amoureux. C'est de cette manière que vous allez jouer la scène? Alors ça, c'est le début de la scène. Vous êtes une offense à vous toute seule. Comment pouvez-vous vous imprégner d'un tel rôle avec tant de désinvolture? Le monde s'effondre et nous tombons amoureux. Ok, poupée, maintenant casse-toi. Vous savez que vous avez quand même beaucoup de talent. On s'y croyait. Je ne jouais pas. Fiche-moi le code de cette maison. Oui, bon, mais alors qui va me payer à moi? Oh, et en plus, j'ai le sens de l'humour. Dépêche-toi de partir d'ici avant que je te fasse exploser la cervelle. Vous êtes un grand malade, hein? Il faudrait vous faire soigner, vous. J'ai essayé de me faire soigner. Mais elle a préféré soigner un capitaine. Mais vous êtes tous stormés dans cette maison. Moi, j'aurais mieux fait de rester à Nice. Celle-là. Je vais faire traverser, je lui fonce dedans avec ma voiture. Elle aura plus qu'à aller tapiner la cour des miracles. Michel, que se passe-t-il? Nous avons un problème. De quelle sorte? Je pense qu'il a des doutes. Hamilton? Oui, Hamilton, mais essayez de faire un effort. Mais ne t'énerve pas. Je voulais être certaine que nous parlions bien de la même personne. Ce tordu vient d'engager une pute! Oh, il est veuve depuis longtemps, les hommes ont des besoins. Mais ce n'est pas pour lui, bordel! Et vous ne comprenez rien. Tu n'as qu'à te calmer et m'expliquer.
ce salaud voulait que Victoria me surprenne dans ses bras. Et dans les bras de qui? Moi, la vieille. Des bouchers ou des prêtres? Et cette petite âme? C'est la pute! Ce type est tordu! C'est moi qui m'aime bien, mais il ne veut pas de moi comme Jean. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah, elle est forte, celle-là! Vous voyez, peut-être qu'ils m'ont offert un enterrement de petit garçon! Je pense simplement que s'il savait quelque chose, il en aurait parlé ouvertement à Victoria. Il espérait peut-être un autre mariage pour sa fille. Je ne suis pas assez bien pour lui. L'important est que Victoria t'aime. Il n'est pas encore de notoriété publique que nous sommes ruinés. Les nouvelles vont vite, hein. Il y a peut-être des fuites. Mais aucune preuve. Il faut garder notre calme et passer à la vitesse supérieure. De toute façon, nous nous sommes bloqués ici. En tout cas, félicitations. Tu as découvert le poteau rose, tu as bien réagi. Ne me sous-estimez pas, mère. Vous avez tendance à oublier que j'ai un QI supérieur à la moyenne. Résidence Hamilton, à qui ai-je l'honneur? Oh, mademoiselle Victoria! Ah oui! Oui, oui, ils sont arrivés! Eh bien, monsieur et madame le fils sont justement à côté de moi! Oui, mademoiselle! Bien, mademoiselle! Ah, oui, oui, je vous le passe! Monsieur? Mademoiselle souhaiterait vous parler. Merci. Monsieur. Victoria. Victoria, my darling. Où êtes-vous? Oui, oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, oui. Ça y est, nous avons fait la connaissance de votre père, oui. Bien, bien. C'est un homme charmant. Crotte-vite. Vous vous faisiez des idées. Il nous a accueillis à bras ouverts. Oui, oui. Vous rentrez quand? Oh, j'ai hâte. Surtout n'attrapez pas froid. Oui, oui. Moi aussi. À demain, darling. Et alors? Doria s'inquiétait. Elle voulait savoir si tout s'était bien passé. Oh, c'est ce que j'ai cru comprendre. Madame, monsieur? Oh, le sien! Si vous saviez comme il fait froid ici! Pas besoin de la neige pour savoir qu'elle a le cœur glacé! Répond en passant, j'ai un coup de nez. Je le vois fort, Fernand. Oh, j'avais rien à cirer de cette coincée! Celle-là aussi, il y a plus de balai qu'elle a dans le. En marchant, elle balait le sol. Dès que nous serons marqués, je vais te la réchauffer. Je vais nous mettre le feu à la marraine pendant qu'elle dormira. Ça va pas traîner. Si la viande a calciné, tu ne pourras jamais en faire des boulettes. En parlant de boulettes, on va tarder à passer à table. Allons finir de préparer, il faut vraiment que nous soyons irréprochables. Comme si de rien n'était. Monsieur... Sophie? Je ne voudrais pas être importune, mais... Sophie, monsieur, je te passe si vous êtes blanche comme un linceul. Mais, asseyez-vous. Merci, monsieur, je... Vous voulez boire quelque chose? Non, monsieur, je... Eh bien, eh bien, qu'est-ce qui vous tracasse? C'est l'état de santé de monsieur. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il a fait un deuxième arrêt cardiaque cet été. Un arrêt cardiaque? Un deuxième, en plus. Le premier était à la mort de madame, il y a 10 ans. Monsieur l'aimait tellement. Et le deuxième, à la perte de son frère, une tragédie fusillée par les nazis. Monsieur l'aimait tellement. Il semblerait qu'il fasse un arrêt à chaque décès d'une personne de son entourage. Oh, mais c'est vraiment comme vous le dites. Et allez-vous lui annoncer un autre décès? Oh non, madame, mais une nouvelle, mais qui pourrait l'anéantir. Quelle? Monsieur a reçu un télégramme. Il n'était pas clos, je sais, je n'aurais pas dû, mais je l'ai lu. Et alors? Vous allez parler? Chronomique, que disait ce télégramme? Bombardement sur Rennes et Nantes, stop. Usine et succursale détruites. Des bombardements en France? Et alors? Mais monsieur, ne comprendons pas? Ah non, il avait de la famille en France. Non, pas de famille, Lucien, mais des usines. Oui. Des usines? Hamilton a bâti sa fortune sur des produits d'exportation français. Il ne reste plus
plus rien. Comment ça, plus rien? Mais Victoria m'a dit que son père était riche. Oh non, mais détrompez-vous. Monsieur a toujours voulu protéger sa fille en lui disant la vérité. Mais depuis le début de la guerre, la famille a perdu beaucoup d'argent et vivait sur ses réserves. Les usines de Nantes et Rennes assuraient à elles seules le revenu de la famille. C'est la ruine. Mais enfin, c'est impossible. Puisqu'on te dit que c'est la fin, toujours à tergiverser. Tu ne pouvais pas l'épouser plus tôt? Non, monsieur voulait jouer au prince charmant, donner l'illusion. Mais qu'est-ce que ça pouvait te faire, puisque tu l'aimes pas? Mais reprenez-vous. Espèce de crétin. Tu es un incapable qui m'a abandonné. Ils sont ruinés comme nous, tu comprends? Ruinés. Mais que va-t-on devenir? Mais ne vous inquiétez pas, nous trouverons une solution. Une solution? Mais dans quelques mois, tu ne pourras plus contenir tes crises. Plus personne ne voudra de toi. C'est terminé, Lucien. La comédie est terminée. Je pars. Mais où allez-vous? Chez ma sœur, en espérant qu'elle veuille bien m'accueillir. Dois-je te rappeler que nous sommes en froid à cause de toi? Et moi? Toi, tu vas où tu veux, tu ne me sers plus à rien. Mais la colère vous aveugle. Au contraire, je n'ai jamais eu les idées aussi claires. Une telle déception ne peut que m'ouvrir les yeux. Si tu savais ce que je pense réellement de toi, m'avouer que tu étais un monstre était inconcevable. Cela aurait fait de moi un autre monstre. Mais si tu savais combien je vis dans ton âme, je sais très bien que tu n'es pas normal. J'ai préféré croire que tu es différent, mais je sais que tu as toujours été cruel. Tu fais peur à tout le monde pour rester seul, parce que tu sais que tu ne pourras jamais aimer personne. Va au diable! Vous n'allez pas m'abandonner ici! Je vais me gêner! Va au diable! Même si je doute qu'il veuille de toi! Vous avez entendu comment me parle cet époux? Ah oui, monsieur! Va au diable! Alors, si monsieur préfère aller au 7e ciel, je puis lui proposer d'aller chez la baronne. À une vingtaine de kilomètres d'ici, alors monsieur peut y aller les yeux fermés, on y trouve de tout. Personne ne porte de jugement, c'est... Vous tombez bien, laissez-moi vous présenter. Non, ce n'est pas la peine. C'est déjà fait. Quoi? J'ai déjà rencontré votre Pépita. La femme avec qui vous vouliez que Victoria me surprenne. Enfin, mais qu'est-ce que vous racontez? Oh, arrêtez votre carnaval, Hamilton. De toute façon, vous avez gagné. Je n'épouserai pas votre fille. C'est vrai? Je ne l'aime pas. Non, c'est pas possible, vous dites ça pour me faire plaisir. Ah, non, je vous assure. Comme ça, subitement? Non, je n'ai jamais aimé. Jamais? Jamais de la vie. Vous ne pouvez pas savoir combien cette nouvelle me réjouit. J'imagine, puisque vous m'avez toujours détesté. Écoutez, puisque nous en sommes dans les confidences, toujours, et je suis heureux que vous renonciez à Victoria. Eh bien, non. Et dites-moi, je peux vous demander ce qui vous a fait changer brutalement comme ça? Votre situation financière. Monsieur? La situation financière. Vous voulez épouser Victoria pour son argent? Oui. Vous voyez, hein? Ça, je m'en doutais, bien sûr. Or, je n'ai plus aucune raison de l'épouser. Puisque vous êtes ruiné. Monsieur? Ruiné? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Demandez à Sophie. Mais monsieur, ménagez, monsieur! Mais ménagez de quoi? Montrez-lui le télégramme. Monsieur! Sophie, nous avons reçu un télégramme. Des bombardements sur vos usines. Monsieur! Bombardements sur vos usines? Toutes vos usines, vos succursales! Ça a pété à Nantes, à Rennes, et boum, badaboum! Monsieur! Et en apprenant la nouvelle, j'espère que vous allez nous faire une troisième crise cardiaque. Mais monsieur! Avant d'en faire une troisième, il aurait fallu que j'en fasse deux auparavant. Et Dieu merci, je touche du bois, mon cœur ne m'a jamais lâché. Il n'a jamais fait une crise cardiaque. Jamais. 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 C'est comme cette histoire de bombardement sur Rennes. Il n'y a pas eu de bombardement, mais dites-lui, Sophie. Alors, il y a bien eu des bombardements sur Rennes et sur Nantes, oui. Oh, bah écoutez, c'est malheureux pour nos amis français, mais je n'ai jamais eu d'usine en France. Jamais. 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 Toutes mes usines sont à New York et Boston. Sophie. Monsieur? Vous êtes... Monsieur? Une roublarde. Que monsieur veuille bien me pardonner d'avoir inventé cette histoire, mais bien malgré moi, alors que je regagnais l'office, dès que vous rapprochâtes le téléphone, j'entendis monsieur tenir des propos au sujet de mademoiselle Victoria qui ne prêtaient pas à confusion. En fait, de quels propos parlez-vous? Ça n'a plus aucune importance. Je ne reverrai plus jamais votre fille. Sophie, vous
Maëmie Matt. Et merde, vous êtes très intelligente. Ne croyez pas cela, monsieur. Si je l'avais été, j'aurais su dès le premier jour que vous n'étiez pas fait pour devenir un membre de cette famille. Ni d'aucune famille, semble-t-il. Où êtes-vous? Honorez mes lettres de noblesse. Chez la baronne. Moi, Sophie, avant de vous sermonner ou de vous féliciter, je crois que vous me devez quelques explications. Alors, si monsieur considère qu'avoir sauvé la vie de mademoiselle Victoria en l'éloignant d'un criminel psychotique est gage d'une bonne action, alors oui, j'accepterai vos remerciements et votre gratitude éternelle avec la plus grande humilité. Merci. Sophie, vous êtes une véritable amie. Une amie? Oui, mais j'ai peur que votre travail s'en trouve affecté. Alors, faisons comme si de rien n'était. Sophie! Sophie! Approchez-vous de la fenêtre. Doucement, qu'on ne vous voit pas, qu'on ne vous voit pas. Doucement. Que font-ils? Ils se promènent dans le parc, monsieur. Ah, dans le parc, comme c'est romantique. Oh, ils se tiennent la main. Ils se tiennent. Et que voulez-vous qu'ils se tiennent d'autre? Je dis simplement que ça montre leur attachement. Ah, ça. C'est inespéré. Ce chagrin semblait insurmontable. Et vous aviez raison. Ce Lucien le fils était un opportuniste. Un opportuniste et un malade mental. On n'est pas mécontent qu'il se soit fait enfermer. Mais quand je pense qu'il aurait pu commettre l'irréparable, je... Ah, taisez-vous. Rien que d'y penser. Oh. Et que pense monsieur de monsieur le comte? Il est comte. Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié. Je le savais, auteur français, donc brillant, mais... Mais conge... Mais attendez, mais c'est un vrai noble, monsieur? Oui, oui, monsieur. Vous vous rendez compte qu'il a obtenu la croix de guerre? Oh oui, puis il ne l'a pas volé, hein. Oh, en tout cas, c'est un aviateur hors pair, ça. Et un intellectuel. Oh, ça, grand prix du roman de l'Académie française. En quelle année déjà? En 39. En 39. Je crois, Sophie, que j'ai eu tort de lui demander s'il avait entendu parler de syncrétisme. C'était évident. Oui, c'était évident. Voyez-vous, Sophie, ce monsieur de Saint-Exupéry me fait de bonne impression. Oui, pas l'important, c'est surtout qu'il fasse bonne impression à votre fille. Oui, bien sûr. Pourtant, il... Oh, les gars, arrêtez de jouer les oiseaux de mauvais augure. Je vous dis que cette fois-ci, c'est lui, c'est le bon. Je le sens. Il forme un couple parfait. Mais je vous rappelle quand même que je ne suis toujours pas grand-père. Alors, j'ai un plan. Et cette fois-ci, va fonctionner. D'abord, nous occuper d'Antoine. Antoine est fou amoureux de Victoria. Et un homme amoureux n'a pas toute sa tête. Ce sera donc une étape facile. Aisément facile à franchir. En amont, je vais écrire au Saint-Siège afin de demander une dispense papale. C'est ça. Ainsi, le mariage entre Victoria et Antoine ne sera que pure formalité. Oui. Eh bien, ce n'est pas demain que vous aurez des petits-enfants. Croyez-moi, Sophie, si ma fille épouse Antoine de Saint-Exupéry, je l'aurai, mon petit prince, comme si de rien n'était.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à l'occasion du 80e anniversaire de la naissance du petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry et à la demande de la municipalité, la compagnie royale comédie constituée ce soir de Bruno Laville, Antoine Boutet, Alizée Ortunez, Michel Richard et Sylvie Baudelaire nous a présenté comme si de rien n'était.